Du coup, étape suivante. La to-do list. Salut Serge. Donc on avait fait ça, ça c'était bon. Donc on a le choix des tubes, choix des machins. Donc on va plutôt faire le choix des. Une fenêtre de choix pour les séries. De sélection de séries, une fenêtre de sélection des saisons. Comme ça on pourra remplir complètement les tables unitaires et puis après on s'occupera des liens entre les tables. Donc pour plus tard. Génération du descriptif, du label, du titre, du descriptif et des mots-clés d'un épisode pour un tube à copier-coller sur sa fiche lors de l'application de la vidéo. Export de la base de données vers backup, oui, nana, ça c'est bon. Hop là. Ouais, j'ai vraiment le index majeur. Annulaire auriculaire. J'ai vraiment l'annulaire de la main gauche qui ne veut pas appuyer sur les touches. Hein. Hop. Ok, j'arrive toujours pas à appuyer suffisamment pour. Alors que c'est une histoire de 1 mm, mais. Donc, prise en charge des API en lecture-écriture des différents sites, en cas d'automatisation, et. Mise en place d'un éventuel système de plugin pour les tubes. Voilà. Hop, donc on va s'occuper de la fenêtre de choix. Donc, alors choix du tube associé, non, on est sur écran de sélection d'une série. Ça pour. Ah, quoique. Si, je peux faire l'écran de sélection. Alors j'avais deux options en fait, je sais plus si j'ai le programme, il est ici. Si je vais là dans mon admin. Ouais. Si je vais là-dedans. En fait dans Delphibo, ce que j'avais fait, c'est que quand je suis sur un éditeur ou non, c'est quand je suis sur un livre. Je fais un edit. Quand je vais éditer les auteurs du livre, par exemple, j'ai deux listes et je fais les déplacer dans un sens et dans l'autre. Je me demande si je reste sur ce principe-là, sachant que sur un truc, en plus, j'aurais des champs de saisie. Je me dis que cette étape-là, elle sert à rien dans l'autre parce que, enfin, dans le programme sur lequel je suis, c'est pas juste une liste qu'on déplace. S'il y a des champs en plus, donc c'est plutôt on choisit un truc, on le rajoute, et ensuite on a l'écran avec la liste complète des liens qui existent. Ce serait plus ergonomique, je pense. Donc je vais plutôt partir là-dessus. On a les deux approches. Alors Serge qui nous dit, j'ai raté le début de cette matinée story, je voulais poser la question de l'initialisation des nouveaux enregistrements, pourquoi pas on new record. Sans raison particulière. Enfin si, si, enfin oui, je dis ça, mais. Alors là tu poses la question par rapport au champ de saisie. Alors normalement dans ma base, ils sont tous en note nulle. Je refuse les champs sans contenu dans la base de données. J'ai mis un default avec une valeur qui n'est pas pris en charge par SQLite. Donc dans mes requêtes SQL, je l'ai, mais dans le moteur de base, il n'est pas pris en compte. Donc du coup, quand on insère des informations, il fallait les saisir absolument dans l'écran. Puisque ça ne rem... le default value qui n'est pas stocké par SQLite. N'était pas repris par Delphi puisque forcément il le gère pas dans le driver de SQLite. Du coup, tous nos champs étaient en saisie obligatoire. Donc dans le programme, j'ai fait une modification au niveau de chaque initialisation de table pour récupérer le on before post que j'ai mis ici en dur. Voilà.
pour initialiser tous les champs avec du 0 si c'est du numérique ou du une chaîne vide quand c'est autre chose que du numérique. Ça, je l'ai fait sur le before post qui est exécuté lors d'une insertion comme lors d'une mise à jour. Effectivement, Serge nous dit que j'aurais pu utiliser le onNewRecord, qui est une chose qui est déclenchée par le moteur quand on, enfin de base de données, enfin les composants de base de données quand on fait un insert. Donc en fait, dans Delphi, sur les composants de base, on a insert, on fait les mises à jour des champs et on a le post. Là, tel que je l'ai fait dans les écrans, ça se fait tout seul puisque c'est le live binding qui gère le mode insertion. Enfin, le live binding ou le composant by navigator, enfin peu importe, quand on fait un plus ici, il passe en insertion. Et donc, il déclenche le on new record, normalement, qui permettrait de pré-renseigner les champs. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Tout simplement parce qu'il n'est exécuté que pour les nouveaux champs. Il n'est pas exécuté pour les champs existants. Du coup, si je rajoute des champs dans une table existante, à la mise à jour de la table, ou plutôt à la mise à jour de la fiche d'un truc existant, ben, le champ serait à nouveau en obligatoire et donc il nous remettrait des erreurs disant qu'on n'a pas rempli le champ. Pour ça, j'ai préféré le faire sur le post parce que comme ça, c'est fait pour les insertions comme pour les mises à jour. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Enfin, ça devrait répondre à ta question. Parce que c'était l'objectif. Donc, on va faire un écran de sélection des éléments. Je vais le faire sous forme de boîte de dialogue. Là, j'ai pas besoin de réécraser le contenu et ainsi de suite. Hein. On est en mode desktop, Windows, Mac, Linux. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'on l'exécute sur iOS et Android, même si techniquement ce serait possible. Donc, tant qu'à faire, je vais virer les plateformes qui ne me servent pas. Ça évitera les tentations. Non, macOS, j'en ai besoin. Périphérique. Tu es sceptique. pourquoi ? Je me plante peut-être sur le new record, hein, mais normalement, si je le fais là, aïe. Événement new record. Ce produit quand une application insère ou ajoute. Ouais. Bah, le problème, c'est la mise à jour des structures de base. Là, à ce moment-là, je pourrais aussi le faire sur l'update. Les deux. Mais le onPost étant fait sur les deux, dans les deux cas, ça couvre tous les cas. Puis en plus, c'est... Alors tel que je l'ai fait, je l'ai changé dans le code, hein, dans le source du truc. Et ça veut dire que si localement sur la fiche, dans ma table, j'ai spécifié quelque chose directement dans l'événement, évidemment, j'écrase... qui sera fait. Enfin, il y a des effets de bord qui, selon ce qu'on fait, c'est pas forcément la façon de faire la plus judicieuse dans tout type de projet. Mais ça, après, là, ça vient surtout du fait que je ne veuille pas de champ nul dans mes écrans. Et donc, que j'ai mis le note nul sur tous mes trucs. Si je n'avais pas mis le note nul, ça poserait aucun souci parce que Delphi s'en fiche. Il trouve un champ nul, il met rien dans le champ de saisie. Donc, et le champ de saisie est vide, il laissera le nil. Enfin, le nul au niveau de la base. Et là, je m'embête plus parce que j'ai mis notre nul. Et que le default n'est pas géré par SQLite. Et après, j'ai mis notre nul avec un default parce que si on change de moteur de base de données ou si on y accède avec un autre type de logiciel, enfin, un autre système de consultation de base de données ou de saisie ou autre, n'ayant pas protégé la base de données, c'est possible. Un autre langage pourrait ne pas passer avec du nul sur les champs. Donc je préfère avoir une valeur par défaut quand même partout. Et du coup, bah, c'est une façon de la récupérer automatiquement. Sélection tube. Alors, sélection tube, on va faire pour le default, je crois qu'il y a une option FireDAC. Bah là, il n'était pas pris non plus dans le DB Browser, donc c'est SQLite qui ne le gère pas. Hein. Mais sinon, effectivement, sur FireDAC, enfin sur les tables, quand on est sur les champs, je suis sur lequel ? Bah, le CRUD, ça va pas le faire. Sur les saisons, par exemple, où j'ai listé les champs dans la table,
ici, j'ai mes champs, hop, avec la propriété default. Alors attends, default value, visible read-only. Ah non, c'est ouais, peut-être pas. Comment, sur comment, est-ce que je l'ai auto-generated value? Display, 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 find. Ah non, il était pas repris, tiens. C'est vrai, c'est juste calculé lors des mises à jour. Donc ça doit être au niveau de la connexion qu'il y a un truc. Dans les options de connexion. Hop. Donc pas là, recover restore non. Sur le mappage des données, peut-être qu'il y a un truc. Sinon, il y a trop de paramètres. Ouais, faut se regarder dans la doc éventuellement, mais un petit par défaut peut-être. Je sais pas. Sur champ, la propriété auto-générateur de value. Elle n'est pas sur les numériques apparemment. Ah oui, peut-être, oui. Et sur lui, il était. Ah si, il était. Pourquoi je ne l'ai pas vu il y a 2 minutes? Là, il est en auto-inc. Ouais, de toute façon, il reprend du truc. Donc, en fait, comme il ne détecte pas qu'il y a un default dans le champ, il le met pas. Mais. On peut faire un test. Faudrait que j'enlève l'initialisation. Ouais, on va faire un test. Allez, hop. Ah non, ça non. Je vais sur la série. Hop. Comme ça on l'aura. Le truc. Alors, si je vais sur la série, déjà j'enlève le truc qui réinitialise et donc on va vérifier que ça plante. Alors j'ai peut-être pas dû le faire comme ça. Je voulais le faire sans le debug, évidemment j'ai fait F9. Donc là, si je vais dans une série, que je rajoute une série, normalement il doit me dire, enfin, il doit m'envoyer balader. Hop. Voilà. Hop. Et donc, si dans la série, ici sur la table. Ah, mauvais exemple, j'avais pas les champs. Hop. J'ai pas envie de rajouter les champs sur celui-là. Ça me perturbait sur le truc. Non, j'ai plutôt le faire enregistrer, oui. Plutôt le faire sur la saison du coup. Parce que j'ai déjà les champs dans la table. Éviter de s'embêter à faire des trucs. Donc là, j'exécute hop ça. Toi, t'as plus besoin, évidemment. J'exécute donc. C'est juste une idée, pas une obligation. Je sais bien, mais au moins. On en aura le cœur net. Donc là, j'ai bien les champs obligatoires. Donc, si je vais sur ma table, ici, hop, je sélectionne tous mes champs. Et non, ah oui, alors par contre, pas tous. Les champs saisis. Ça, ça. Donc lui, il est calculé, lui, il est en auto-inc, donc évidemment, on n'y touche pas. Et donc, si je mets default. Et que j'exécute. Je suis bien sur les saisons. Donc là, il en veut pas, il en veut quand même pas. Mais il récupère pas la valeur en fait. Alors par contre, il faudrait à ce moment-là faire le test sur une base. Alors comme tu as des bases FireDAC et enfin Firebird et autres. Ce que tu peux faire, c'est le test sur une base où tu as le default qui est pris en charge par le driver. Là, ça devrait te le faire. Et il devrait le mettre en arrière default par défaut, lorsqu'il lit le champ dans la table. Donc là, je remets none. Après, il y a.
Il y a le default ici à remplir, je pense, sans doute. Si je vais sur default ici, default expression, est-ce que c'est bien ça? Default expression spécifie une expression SQL affectée au champ quand l'utilisateur ne fournit pas de valeur. Ouais, donc il faut peut-être le remplir aussi quand même. Donc si je mets 0, est-ce que celui-ci nous embête? Enfin, c'est ce qu'il est censé pré-renseigner tout seul, donc c'est vrai que faut tester sur un moteur qui le gère. Donc là, si, voilà, il plante. Donc, ah oui, alors par contre, peut-être que c'est parce que c'est une chaîne de caractères, lui il le gère comment? Il doit le mettre directement comme ça. Je vais juste le remettre quand même pour vérifier ici. Hop. Votre chaîne vide ou une connerie comme ça. Donc ça passe, mais effectivement, faut remplir les deux. Mais du coup, le faire sur chaque écran, on aurait la table. Donc après, c'est un choix à faire, mais là, dans mon cas, je préfère partir là-dessus. Au moins, il les gère tous et ça me permet surtout de pré-renseigner aussi le champ ID. De toute façon, j'aurais une obligation de faire un before post ou en tout cas le new record. Pour initialiser le champ ID qui est une chaîne de une liste de caractères aléatoires à remplir, c'est pas juste du nul, donc j'ai quoi qu'il arrive du code à faire. C'est peut-être pour ça que j'étais reparti aussi là-dessus plutôt que de regarder s'il y avait d'autres solutions vu que c'était pas pris en charge tout seul. Donc on va se dire dans les 40 minutes qui viennent, on va essayer de faire les selects des trois tables. Donc le tube, la série et la saison. Alors, hop, pour faire ça, donc sur le principe, ce sera le même sur les trois. Un écran en boîte de dialogue modal qui nous affiche la liste des informations qui sont dans la table avec une sélection. Donc là, en l'occurrence, une list view classique avec le champ de saisie en recherche, par exemple, et la récupération des données. Il se trouve, pendant que je dis ça, je pense à autre chose, il se trouve que j'ai des exemples comme ça qui traînent, alors autant en utiliser un, hein, tant qu'à faire. Allons récupérer un bout de code qui existe ailleurs pour le réutiliser. Donc on est dans les samples, je crois. Delphi samples, j'avais normalement fait un exemple de liste de sélection de choses arborescentes. Famille pro liste hosting store in db multilevel list je crois. Ouais, c'est celui-là. Donc je vais récupérer ce projet-là. On va voir dans quelle mesure je m'en sers en tant que tel. Ce qui serait pas génial parce que ça inclut tous les exemples et beaucoup de dépendances derrière. Ou si je récupère juste l'exemple en question, parce que c'était juste une fiche normalement que je peux réutiliser. Donc je vais le mettre dans les projets. Clic droit. Enfin, je dis ça, j'ai peut-être déjà les exemples récupérés sur l'ordi. Non, non, puisque je les efface au fur et à mesure. Donc, hop, ici. Git GUI. Git GUI. Git GUI. Hop, voilà, on y arrive. Et Delphi Samples. Qui paramètre là, puisque lui il veut que ce soit un truc qui existe et que là ensuite on mette le dossier de stockage, même s'il n'existe pas. Le dis assez régulièrement, mais côté UI sur ce coup-là, enfin, UX plutôt, est douteux. Donc là-dedans, j'ai un projet à rajouter, projet existant dans les samples, donc on était dans FireMonkey et j'ai donc une liste arborescente multi-level list. Le source Delphi, pas la partie web qui récupère les données. Normalement c'est ce truc-là, je crois. Hop. Quoique.
Oui, c'est ça. Donc on avait le main qui récupère les données, le DB catégorie 1, download get and file et U fichier dossier. Donc ce serait le... C'est directement le fichier, l'écran principal que j'avais fait pour ça. Ah non, là c'est l'écran de... Oui, c'est la mise à jour de la base, donc évidemment c'est pas ça qu'il me faut. J'ai une bêtise. Projet existant, c'est le truc d'utilisation, c'est parcours, pas liste arborescente. C'est pour ça qu'il y en avait deux ici, j'ai pas fait gaffe. Donc le parcours, ok, et la mise à jour de la base de données, elle dégage. Hop, hop, ça, tu me retires le projet, voilà. Non. Enfin, on s'en fout, de toute façon, il va dégager de mon programme, enfin de l'ordinateur juste après. Alors, on est ici, on a donc choisir un tarif et CCC ce truc-là, je pense, qui doit gérer le truc. DB pour affichage, c'était la liste des catégories, ça c'était le download pour faire le truc. Et donc j'avais ça normalement qui était juste une liste view. Avec une zone de catégorie dans une... Ah oui, j'avais plusieurs niveaux en fait, un niveau image et puis un niveau autre chose. Donc on va peut-être pas s'en servir tel quel. Bon, en tout cas sur le principe, est-ce que ça passe encore ou est-ce qu'il faut que j'ouvre et où est-ce qu'il faut que... Oui, si tu veux ici. Où est-ce qu'il faut que j'ouvre autre chose? Genre un site web avec les données. J'ai pas exécuté le bon, évidemment. Ouais, donc là j'ai pas la base de données, j'ai plus rien. Donc je peux pas vous le montrer, dommage. Dommage, bon, peu importe. Oh. Hop. Retirer. Peu importe. Donc on va juste se faire une liste view avec les infos qui seront chargées depuis un select étoile tout bêtement dans la DALL. Je vais faire un TFD query sur ce coup-là. Je vais le paramétrer avec juste la table. La récupération, c'est le champ code dans tous les cas. Et je fais ça sous forme de boîte de dialogue. Donc je vais faire une fenêtre racine qui va nous servir à ça, histoire de jouer. New, bon, non, même pas d'ailleurs. Même pas. En fait, j'ai juste besoin. Oui, c'est ça. Je vais faire une fiche qui va servir à tout. Et des accès pour récupérer les différents éléments qu'il me faut paramétrer dans le truc. Alors, nouveau, on va dire une fiche multipériphérique. Ce sera une fiche en tant que boîte de dialogue. Est-ce qu'on peut laisser retaillable? Ouais, on va la laisser, on va laisser en classique. Ça, on s'en fiche, donc je vais enregistrer ça. Donc en F, select, 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 select. Record. F select record que je vais donc appeler FRM select record dans mon source. Voilà. Dedans, j'ai juste une telle view. Qui sera en client.